Bonjour à tous. Rien de tel qu'un superbe métail de triticale, facélie, pois et vesse pour vous parler de l'école d'agroécologie voyageuse et plus particulièrement du programme de cette école dont l'objectif est d'inspirer et de former les paysans et catalyseurs de transition agroécologique des territoires par un parcours dans les fermes où ils vont apprendre l'agroécologie par l'expérience et aider les agriculteurs dans leurs projets de transition. Cette école, elle se base sur une citation que j'adore, c'est « Dis-moi et j'oublie, montre-moi et je retiens, implique-moi et je comprends ». C'est par l'expérience qu'on apprend et en vivant le quotidien des gens et en particulier des agriculteurs. Dans les 10 années qui viennent, la moitié des agriculteurs va partir à la retraite. Il est urgent de former des jeunes et de leur prouver que c'est tout à fait possible d'être agriculteur et de faire de l'agroécologie comme Franck, que je remercie beaucoup parce qu'il me prête en fait ce champ pour faire cette vidéo. On peut faire de l'agroécologie en tant qu'agriculteur et on peut en faire un métier super beau où on a des vacances, où on aime son métier, où on est en interaction avec d'autres êtres vivants. Et c'est le plus beau métier du monde de produire de la nourriture qui régénère les sols et les paysages. Alors le programme de cette école, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il va se dérouler pendant un an et il va démarrer par 7 à 9 semaines où les étudiants seront ensemble pour découvrir un peu la boîte à outils de l'agroécologie, construire leur parcours, avoir des intervenants inspirants sur toutes les thématiques de l'agroécologie et découvrir des outils de développement personnel pour mieux se comprendre, comprendre leurs valeurs et comment connecter ces valeurs avec le projet qu'ils veulent réaliser pour la transition agroécologique. Ces 2 mois vont se réaliser dans une ferme où les étudiants pourront pratiquer l'agroécologie au quotidien. Et ensuite, ils vont partir, après avoir rencontré leurs parrains potentiels qui vont les aider à financer une partie de leur voyage, ils vont partir dans les fermes. Et l'idée, c'est de connecter les fermes d'un territoire d'impact, par exemple la Bretagne, d'aller d'abord dans ces fermes-là pour recenser un peu les besoins des agriculteurs, pratiquer l'agriculture avec eux, pour ensuite pouvoir aller dans d'autres régions, d'autres territoires, peut-être d'autres pays, pour apprendre d'autres thématiques et revenir ensuite au bout de quelques mois dans le territoire d'impact pour voir comment toutes ces connaissances glanées dans d'autres régions peuvent aider les agriculteurs du territoire d'impact. Donc l'étudiant est un peu un voyageur qui va aller collecter, récolter toutes ces expériences d'autres contextes pour ensuite pouvoir les adapter dans un territoire d'impact. Donc quand ils reviennent au bout de 7 mois de voyage dans les fermes, ils ont vécu plein de moments forts, plein d'expériences, ils ont récupéré beaucoup de connaissances et l'idée c'est pendant un mois au retour, tous ensemble, de comprendre ce qu'ils ont vécu ensemble, de leur donner des outils pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils ont vécu, parce que ça c'est très 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 fort, je peux le dire, j'ai fait un tour du monde dans 12 pays pendant 12 mois et j'aurais bien aimé être accompagnée. Et là, l'intelligence collective, les outils d'intelligence collective vont permettre aux étudiants de comprendre, basé sur cette expérience, comment ils peuvent avoir un impact dans le territoire et aider les agriculteurs dans leur transition agroécologique, pour ensuite peut-être pouvoir s'installer en tant que paysan, avec toujours ces outils de développement personnel et d'intelligence collective pour aider les agriculteurs dans leurs projets. Parce qu'on a besoin de ces gens qui aident les projets de transition à avancer en prenant en compte les talents et les besoins de chacun. Qui sont les principales parties prenantes du projet d'école d'agroécologie voyageuse? Le principal bénéficiaire, bien sûr, c'est l'étudiant, qui lui va être celui qui va être formé, qui va être accompagné, parce que pour l'instant, c'est pas une formation officielle, c'est un accompagnement pour apprendre l'agroécologie dans les fermes et mieux comprendre aussi quel chemin on veut prendre ensuite dans sa vie après.
Les bénéficiaires du voyage, ce sont les agriculteurs, puisqu'ils vont bénéficier d'un étudiant qui va venir les aider au quotidien dans la ferme, mais aussi les aider sur certains projets de transition agroécologique. Ça peut être par exemple un maraîcher qui souhaite être aidé pour intégrer des arbres dans son système et monter en compétences d'agroforesterie. L'étudiant qui a d'abord été se former à l'agroforesterie dans d'autres fermes pourra aider ce maraîcher. Ça peut être un éleveur comme ici Franck par exemple qui souhaite intégrer des poulaillers mobiles dans son système. Et bah, il va être aidé par un étudiant pour mettre en place ces systèmes de poulaillers par un étudiant qui s'est formé à ça avant. Et plein de thématiques comme ça. Ça peut être aussi des agriculteurs qui souhaitent réaliser une série de vidéos sur ce qu'ils font. Et dans ce cas-là, ils vont faire appel à un étudiant qui s'est formé à la vidéo et qui va aider les agriculteurs sur ce point-là. Donc c'est vraiment une co-construction entre les rêves et les talents que l'étudiant souhaite développer à travers ce projet, les besoins sur le terrain, les vrais besoins des agriculteurs, qui ont besoin de cette jeunesse dans leur projet, cette jeunesse qui va peut-être aussi s'installer dans leur territoire, dans leur écosystème. Et ensuite, il y a des parties prenantes très importantes qui sont les parrains ou les partenaires. C'est eux qui vont pouvoir d'une part financer l'école, puisqu'il y a des salaires à payer, des salaires d'accompagnateurs comme moi, comme Sarah qui fait partie de l'équipe maintenant, et qui va aider sur la partie gestion, fonctionnement de l'école d'agroécologie voyageuse, les intervenants. Tout ça, ça a un coût. Et donc, du coup, il faut qu'on trouve des partenaires qui ont envie de soutenir un projet comme ça. Donc, eux, ils font vraiment partie de l'écosystème. Et il y a aussi les parrains, qui, eux, sont des parrains plutôt d'étudiants, c'est-à-dire qui vont soutenir un projet spécifique d'étudiant en soutenant, par exemple, son parcours, le coût des déplacements, l'éventuel coût de matériel vidéo, si l'étudiant choisit de travailler sur la vidéo. Et ce parrain-là va, par exemple, pouvoir décider d'accompagner un étudiant en payant 2000 euros de son parcours, en échange d'un impact précis qui est co-construit avec l'étudiant en amont. Par exemple, ça peut être « Ah bah nous, on a envie d'avoir 10 podcasts sur le thème de l'élevage régénératif, donc on va financer un étudiant qui va aller voyager dans les fermes pour ça. » Ça peut être « Nous, on souhaite qu'un étudiant nous aide à imaginer un projet d'agroforesterie successionnelle pour des éleveurs de Normandie. » Je dis n'importe quoi. Hein. Et bah, ce réseau d'éleveurs, peut-être l'association que ces éleveurs, par laquelle ces éleveurs sont accompagnés, va financer un étudiant. Voilà. Donc c'est ça l'écosystème principal de l'école d'agroécologie voyageuse. Si vous souhaitez en savoir plus, regardez dans le lien dans la description de cette vidéo. Vous verrez les informations plus précises du projet. Et nous lançons fin mai un financement participatif auquel vous pouvez participer. Parce que vous aussi, vous faites partie de l'écosystème de l'école en tant que citoyen. Vous pouvez aider en adhérant à l'association Les Agronomes ou en participant à ce financement participatif. Voilà. Donc je vous dis un grand merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté cette longue vidéo. Et je vous laisse profiter du coucher du soleil dans ce magnifique champ de Sologne. Et je vais aussi vous faire profiter des vaches de Franck qui régénèrent les sols ici sur cette ferme. Et c'est super beau. Et voilà, je vous avais promis les vaches. Qui sont très curieuses, qui ont envie que je les caresse un petit peu. Hein. Leurs pivots sont là-bas. Ils sont nés il n'y a pas très longtemps. Ils peuvent passer sous le fil pour aller sur le reste de la prairie. Et puis là-bas... leur mère essaye de passer sous le fil, hein, la maline. Donc cette technique s'appelle le pâturage tournant dynamique. Donc ça permet de vraiment fertiliser, régénérer les sols et
Il y a un étudiant de l'école d'agroécologie voyageuse qui est en train d'imaginer un système de poulailler mobile qui va suivre les vaches et permettre de répartir les bouses et manger les larves de la mouche qui sont dans ces bouses. Donc si on les passe à peu près 3 jours après les vaches, les œufs sont juste en train d'éclore, donc les larves sont prêtes et les poulets vont se régaler avec les larves de la mouche. Donc faire passer différents types d'animaux à la suite. Donc Franck fait déjà pâturer les vaches et les moutons. Et là, un système de poulets, ça permet aussi de diversifier les sources de revenus d'agriculteurs, diversifier le paysage. Et ça fait beaucoup de vie dans ce paysage. Un paysage où il y a encore quelques années, il n'y avait plus d'animaux.